Cette année, Erium est présent sur le DLR comme tous les ans. Cette année, c'est un peu spécial puisque nous fêtons nos 30 ans. La société a été créée donc dans les années 80 et cela fait 30 ans que nous apportons des solutions innovantes à nos clients, donc des solutions de logiciels de gestion jusqu'à aujourd'hui des solutions mobiles pour donc les itinérants de nos clients. La société aujourd'hui compte une centaine de personnes avec un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et nous réalisons 30% de notre activité à l'international avec des clients sur plus de 50 pays. Nous sommes installés en dehors de France directement avec nos propres filiales en Espagne à Madrid et en Allemagne à Düsseldorf, mais aussi en Australie à Sydney. Nous avons partenaires aux États-Unis et nous comptons vraiment sur l'international pour nous développer. C'est vraiment notre objectif de croissance et de développement. Dans le BTP, cette année, nous participons aussi à BOMA, à Munich. Ce mois-ci. Et ensuite, l'année prochaine, on reprendra dans l'Intermat. Je pense que c'est Intermat qui a lieu l'année prochaine. Et nous participons aussi à d'autres événements qui concernent plus soit le machinisme agricole, soit le poids lourd, puisque nous sommes présents à la fois dans le BTP, la construction, mais aussi la manutention, le poids lourd et le machinisme agricole et tout ce qui est engin industriel.